Jacobedi Mancha, donc juste histoire quand même que tu vois la tenue. Voilà. Cardigan qui doit venir de Pimki, je crois. Collier, donc Hunter Game. Collier après. Enfin, les deux viennent d'AliExpress. Mon bonnet, c'est un bonnet que j'avais acheté en convention il y a des années de ça. Parce que j'étais même pas en couple avec mon. Peut-être la première année où j'étais en couple avec mon ex. Éventuellement. Et encore. Désolée, je ne suis absolument pas maquillée. Je vais peut-être baisser d'ailleurs parce que sinon j'ai l'impression d'être trop blanc du coup. Voilà. Je ne suis pas maquillée. On est jeudi 8 décembre. Je ne sais pas si tu. Je ne sais pas s'il va faire le focus. Voilà. Et il est 19h23 et j'ai fait aucune case. Alors pour ma défense, il y avait donc la copine qui devait venir à la maison, Laura. D'ailleurs, je vais le mettre loin. Donc il y avait Laura qui est passée à la maison, donc elle est restée jusqu'à mardi matin. Je m'étais dit, ouais, c'est pas grave, mardi, je filme et tout. Nope. Hier, je m'étais dit, allez, un élan d'effort, on se maquille juste un petit peu, on s'apprête juste un petit peu. Non plus. Et puis aujourd'hui, bah, je reviens du chirurgien donc par rapport à l'opération des bras. Il a regardé, on a enlevé les pansements, il a enlevé les points. Je n'ai plus de pansements, à part que enfin, j'aurai encore des pansements un peu de temps en temps, mais c'est tout. Et voilà, donc comme ça aussi, vous avez un petit peu de nouvelles. Après, j'aurai une espèce de bande en silicone en fait, à coller au-dessus de la cicatrice pour la protéger et l'aider à... S'il y a des efforts, en fait, tu sais, pour éviter que la... Tu sais, quand il y a des fois du travail au niveau de la peau, tu fais un effort ou un truc, tu sais, tu portes un truc lourd, la cicatrice pourrait faire ça et donc pour la protéger pendant quelques semaines. Je crois que j'ai tout dit. Bref, si jamais, donc, on est le 9... Non, le 8, pardon. Et j'ai demandé à ma maman, du coup, de tout me ramener ici. J'avais tout dit ici, donc si vous avez quelque chose à foutre. En fait, je laisse plus la caméra dans la pièce même parce que sinon il fait trop froid. Et donc, je la mets juste dans le couloir parce qu'il fait suffisamment chaud pour pas qu'il y ait quoi que ce soit avec la caméra. Et sinon, les éclairages, ils étaient tous là. Pardon, je commence à fatiguer ma journée. Donc voilà. Oui, fatiguée ma journée parce que je me suis quand même levée à 5h du matin. Voilà, bref, toujours est-il. Jour numéro 5, c'est un manga. Jour numéro 6, par contre, on est encore sur un pochon. Et est-ce que j'ai le nez tout rose? Oui, parce que j'ai froid. Voilà. Très clairement. Et dans cette pièce, je sais qu'il fait moins de 17. Voilà. Il y a zéro chauffage hein, dans cette pièce. Donc, voilà. C'est édition Mao. Yes! Donc, en fait, c'est un manga des éditions Mao. C'est Berserk of Gluttony. Et je l'avais demandé dans ma liste, du coup, voilà. Quand je fais le calendrier de l'Avent, je fais une liste à la personne qui le gère, avec les titres que j'aimerais, du coup, qu'ils soient achetés. Sachant que je le rappelle au cas où, ce sont des mangas souvent achetés en occasion, à part rare réception. Et voilà, après sinon, je te mettrai en i. Je crois que j'ai oublié la dernière vidéo, du coup. Bref, les éditions Mao, j'ai deux autres mangas de chez eux, j'ai ce titre-là. Et ce titre-là, la couverture jaune, il est facile à retenir, mais voilà. Donc, Berserk of the Gluttony. Je ne sais même pas si la semaine dernière... Ah ben non, la semaine dernière, il n'y avait aucun manga. Donc, j'étais en train de me dire, je ne sais pas si la semaine dernière, j'ai pensé à vous montrer la qualité de dessin. Mais en fait, il n'y avait aucune qualité de dessin. Voilà, alors, on va commencer sur les premières pages. Celui qui a une coupe au carré, là, je sens que je vais pas l'apprécier. Oh, elle est badass, elle est belle. Voilà. J'essaie de voir si je peux trouver d'autres persos. Un petit peu. Je trouve que ce personnage-là, au niveau physique et tout ça, on le retrouve vachement dans tout ce qui est isekai et tout ça. Et truc fantasy. Donc le papier, il faut que j'en prenne soin vu que ça va être réutilisé. Et le manga, je vais le poser là. Ensuite, jour 6. C'est surtout que c'est bien dodu. Tu vois, c'est pas plat. Donc c'est pas une figurine en acrylique. Je ne sais même pas montrer, mais je sais même pas si ça vous intéresse. Voilà.
Le 5, il était sympa parce que mon corps, le renne, on s'en bat les steaks. Mais là, c'était le 5. Pourquoi tu fais un focus sur mes doigts au lieu de ça? Voilà. Je crois avoir compris. Je pense avoir compris. On est sur, je pense, des... soit des guêtres donc pour les chevilles, soit des mitaines pour les mains. Est-ce qu'il y a un trou ou pas? Non, ça se met... Ah, ça se met peut-être au bras. Attends, on va enlever le cardigan parce que le truc là... On... Je me désappe pas vraiment, il y a un col roulé dessous. Oui, j'ai un peu mal et puis en plus il a trifouillé vu qu'il a enlevé les points, donc voilà. On va mettre ça là. Alors, faut imaginer forcément que je suis en rose. Rose slash fuchsia. Mais il n'y a pas de trou. Non, il n'y a pas de trou. C'est... Ouais, mais je pense que c'est pour les bras. Parce que pour les jambes, je trouve ça un peu... Alors là, il faut se dire que j'ai la manche du col roulé dessous. Oh, je vais être trop mignon avec. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Mignon. Voilà, je suis refait. Ouais, elles sont belles. Donc ça, je pense que ça vient d'AliExpress, donc je te mettrai le lien. Je récupérerai les liens. Je crois que la semaine dernière, ça c'est clair et net, j'ai rien fait de ce que je vous avais dit, comme ça, de mettre des liens et tout ça. Je le redis au cas où, pour ceux qui n'auraient pas suivi, mais en fait, le dernier jour, le dimanche, j'ai filmé jusqu'à la dernière minute, en fait, avant que ma copine, donc Laura, qui est passée à la maison de dimanche soir à mardi matin. Donc, j'ai filmé jusqu'à la dernière minute et donc j'ai posté le calendrier de l'Avent à l'arrache. Je n'ai même pas fait de miniature. J'ai pris une image que j'avais en un fond de spécial pour mes miniatures et tout ça. Mais je n'ai même pas... j'ai posté ça à l'arrache comme jamais. Je suis retournée manger avec elle, enfin m'occuper d'elle, prendre soin d'elle, enfin l'emmener voir sa chambre et tout ça. Que, voilà. Bref, toujours est-il, donc ça c'est bon. Jour 7. C'est une petite étoile. Voilà. On va tout laisser quand même. Vous voyez, c'est un truc logique. Il y a deux mangas. C'est un peu lourd du coup. Je comprenais pourquoi. Enfin, je me disais que c'était bien lourd. Ok, bon, c'est acheté à Gilbert Joseph tout à l'heure, je t'ai pas dit. Easy Cash. Quand c'est qu'il allait. Easy Cash. On va dire que j'ai. Voilà. Hein. Oh, ok, trop bien. En plus, c'est sur 1 sur 7. PK04, je crois qu'en plus, il va se prendre l'augmentation, donc c'est bien, je vais pouvoir le lire très rapidement. Je pense que je vais le lire très très prochainement. Et donc du coup, c'est les deux premiers tomes pardon, de Fragmentel, qui est une série terminée en 7 tomes. Donc c'est cool. En plus, me mettre comme ça les deux tomes d'un coup, je vais pouvoir direct les lire. Alors là, je suis sur mon colloque d'enfer. Je vais d'abord lire mon colloque d'enfer. Je vais aussi lire le tome 1 au moins de Stissic, mais après je vais le lire et ça sera dans mes lectures du coup de décembre. Donc, oh, elle est trop mignonne. Voilà. Donc juste pour ceux qui seraient curieux, ils étaient à 5,60 et 4,90 au lieu de 7,50 €. Voilà, à Gilbert Joseph. Donc ça veut dire celui de Toulouse. Très clairement. Ou ah non, Paris non. Bah non, pas Paris. Donc non. Voilà, Toulouse. Petit ange. Ça c'est le truc que je n'aime le moins en mon déco et tout ça de Noël. C'est tout ce qui est ange et étoile et tout ça. Ah, encore de manga. Je me disais aussi que c'était l'eau. Franchement, je le sens direct. Au niveau du. Oh,
ou je suis gâtée. Il a, disons, un peu été plié. Bon. La bouquinerie plus, ok. 6,50€ au lieu de 9,95€. Sauf que voilà. C'est juste histoire que. C'est de Mangetsu. Je te montre pas vu que c'est tome 2. Mais voilà. Sachant que le 3 est déjà sorti et que je sais plus s'il se prend une augmentation ou pas celui-là. Et ça me saoule parce que j'ai la porte qui est mal fermée. Et ensuite on a de nous, il ne restera que des cendres. On l'a payé 9€ au lieu de, je crois que ça doit être dans les 12 ou 13€ celui-ci. Bref. Voilà. J'aime bien la qualité de dessin. Oui, je comprends pourquoi il a été pris au final. Si j'avais des doutes par rapport au dessin et tout ça. Pris comme ça, je dirais que c'est. Comment ça s'appelle? Scène violente mais sans sang, je préfère prévenir. Je dirais que c'est peut-être le comptoir du rêve, éventuellement. Je vous mettrai l'adresse du comptoir du rêve et la boutique. Mais les deux sont de Toulouse, hein. Le Gilbert Joseph aussi. Voilà. Et de toute façon, c'était le jour 8, on est le 8 novembre, donc c'est bon. Donc je te laisserai continuer la vidéo. De toute façon, demain, ça c'est clair et net, tu me verras habillée et tout ça, parce que demain midi, j'ai un repas avec des gens de ma famille que j'aime énormément. Pour te situer quand même, pour te le dire à quel point je les apprécie, c'est des gens où quand je suis en leur compagnie, et ce depuis que je les connais, tu prends la dépression, tu vois, tu fais comme si tu prenais mon cardigan et tu le vires. Et dès que j'ai fini la robe avec eux, que je suis rentrée à la maison, le cardigan il est revenu en gros, pour te donner une idée. Donc voilà, donc je vais te passer un très très bon midi, repas et après-midi à leur compagnie. Donc voilà, mais en tout cas je serai habillée du coup et tout ça. Et de toute façon après il reste samedi, dimanche. Voilà. Donc je suis désolée, ça va faire quasiment toute la semaine en fait. Remarque, j'ai fait hier, j'ai filmé toute la semaine, on était jeudi. Aujourd'hui, je ne suis pas maquillée. Je pense que demain, je ne serai pas maquillée. Peut-être dimanche, tu auras de la chance. Voilà, sinon, désolée. Et puis, voilà, ça te montre aussi que je... Ça m'arrive de ne rien mettre sur ma gueule. N'en déplaise à certains. Bref, jour numéro 9, avec un petit sapinou. Très mignon. Voilà. C'est mon sweet stitch. Qui dit en gros que c'est bien d'être bizarre. Rester bizarre, c'est bien. Et juste en attendant que j'ouvre, voilà, t'as le... Voilà, hop, j'ai... Voilà, c'était juste pour que tu puisses voir. Je sais même pas ce que t'as pu voir. Ah ouais, t'as rien vu. Bref. T'es fou. Ah ouais, peut-être. Effectivement. Donc c'est la bouquinerie plus, donc le de base c'est 8,99€ plus 36 centimes en janvier. Merci, très bonne idée. Au moins ça me permettra de savoir si je continue ou pas la série. Et on l'a payé 5,85€ et donc c'est Moon and Sun, soleil et lune. Ou lune et soleil, je sais pas dans quel ordre. Quand un Yakuza rencontre une drag queen, fils prodige d'un Yakuza, Mashiro ne finit jamais ce qu'il commence, si bien que quand... c'est bien qu'on n'attend plus rien de lui. Un jour, après avoir semé la pagaille dans un club de drag queen où travaille son ami d'enfance, il subit le courroux de Tsubaki, le mentor de ce dernier. Humilié par la fessée que le travesti lui a donnée, il n'arrive plus à se sortir de la tête. Pas mal. Waouh, j'adore. Rien que sur la jaquette, en fait, j'avais craqué sur lui parce qu'il me faisait... Déjà, j'adore parce que ça fait couverture de magazine de mode. Et deuxièmement, j'avais adoré parce que il me faisait un peu penser à moi. Voilà. J'avais eu un temps, une longueur assez proche de lui. J'ai
J'espère que c'est pas trop clair la luminosité que j'ai mis là. Voilà. Donc très très hâte de le découvrir, je pense que je vais essayer de le lire du coup dans le mois de décembre pour savoir si j'ai éventuellement, je ne sais même pas où ça en est du nombre de tomes en France. Le bruit t'as entendu en fait c'est la colle de quand voilà. Bref. Je sais pas la date de parution. Si juin 2019 en France. Donc voilà, à voir. Je te tiendrai au courant, je te mettrai peut-être une note. Mais toujours est-il, j'ai très très hâte de le découvrir. Nous sommes samedi 10 et il est temps d'ouvrir du coup la case du calendrier de l'Avent. Celle-ci est un peu différente et je vais aussi t'expliquer vite fait sa petite histoire. Voilà, donc c'est le numéro 10 de Geeking Japan. Comme la personne qui a fait le calendrier de l'Avent cette année a eu un petit peu du mal pour tout ce qui était goodies et à côté, en fait, j'ai voulu aussi donc faire participer les boutiques ou quoi que je connais qui sont près de Bordeaux. Comme par exemple, donc la semaine dernière, on avait le porte-clés avec Izuku Midoriya, pardon, de My Hero Academia qui avait été acheté au restaurant Humble. Là, je suis allée donc du coup à la boutique Geeking Japan et j'ai choisi deux peluches. Et il y avait Marie et Tanguy, si je ne dis pas de bêtises au niveau du nom. Et donc, j'ai dit à Tanguy, choisis une des deux peluches, tu la mets dans le sac, je paye la peluche, je ne sais pas laquelle tu as choisi. Il l'a remise en rayon après que je sois partie, etc. Et depuis, en plus, comme ça devait être en octobre, non, même avant, c'était en septembre, je ne me rappelle même plus de quelle peluche j'ai pu lui demander. Donc heureusement, je ne suis pas du genre à acheter beaucoup de peluches Pokémon, etc. depuis, parce que sinon, j'aurais pu racheter éventuellement deux fois la même. Donc voilà, donc, c'est pour ça qu'il y a le sac Geeking Japan. On m'a mis un cœur, ce qui est mignon, parce que du coup, j'adore cette équipe, ils sont vraiment très 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 gentils. Et on va découvrir ça ensemble. Alors ça avait été agrafé, mais je ne sais pas pourquoi c'est... Ça a été dégrafé. Je pense qu'on a voulu m'aider tout simplement pour que ça aille plus vite. Je crois comprendre laquelle c'est et je crois me rappeler. Ok. Je suis presque sur le point de pleurer tellement que je suis joie. Et donc le petit... Alors, déjà il a la tête de côté. Donc attends. Attends, on va essayer de baisser la luminosité pour que tu le vois mieux. C'est surtout que j'ai beaucoup d'éclairage, donc c'est un peu compliqué. Et on fait le focus sur lui, voilà. Donc voilà, on a un petit Mewtwo et ça vient directement du Poké Center. S'ils font livrer directement du Poké Center et donc elle a coûté 29,90€. Voilà. Il est trop trop beau. Voilà, donc je te laisse continuer la vidéo et découvrir du coup ce que j'aurai demain, donc dimanche 11 décembre. Jour numéro 11, oui, ce sont mes vrais cheveux en mode naturel et tout ça, ils sont encore un peu mouillés parce que j'ai donc, je pense que tu l'as vu, j'ai fait une décolo et que cet après-midi on va faire la colo avec ma maman. Donc voilà, je suis en mode naturel là, tu peux pas faire pire. Pas habillée, hein, j'ai la combinaison dessous le poncho. Très clairement. Et on va continuer donc avec le jour numéro 11, donc le dernier jour de cette semaine. Puis après tout, on est dimanche, j'ai juste un montage, le montage de ça à faire. Et je vais lire sûrement d'abord un vrai livre pendant au moins une demi-heure et après un manga. Et c'est un manga qu'on a dans les mains, d'accord. C'est de la bouquinerie plus, ok. Donc le manga est au prix de 6,90€ de base et on l'a payé 4,50€ et c'est... Ah oui, d'accord, c'est un manga que je confonds souvent avec un autre titre des éditions Akata parce que justement ils sont assez proches au niveau du titre. C'est Printemps Tempête de Ayuko des éditions Glénat et c'est un shoujo. On n'a pas le nombre de tomes mais je crois qu'il est terminé en 2 ou 3 tomes, un truc comme ça. Mais bref, celui-là il a l'air sympa, je l'avais listé de toute façon donc voilà. La qualité de dessin est vraiment très très belle.
Oh, elle est trop chou. Voilà. Je ne suis pas du tout à l'aise. Bref, cette deuxième semaine est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Je te retrouve donc dans la semaine pour des vidéos normales. Dimanche prochain pour la prochaine vidéo du calendrier l'Avent, la troisième. Il n'en restera après plus qu'une vu qu'il y a 4 semaines avant Noël, avant le 25. Et après, il y aura la vidéo du calendrier de l'après, même si je ne sais pas trop comment je vais faire, parce que techniquement, là, dites-moi si vous avez une idée, parce qu'en fait, on part le 28, il y a donc 28, 29, 30 et 31. Ça m'embête un petit peu de tout faire en une fois, ou alors je fais deux jours par deux jours, genre le 25, j'ouvre 25, 26, le 26, j'ouvre 27, 28, tu vois, pour que ça fasse quand même au compte-goutte. Parce que je me vois pas emmener mon calendrier de l'avant. Là, on va fêter le nouvel an. Et tu vois, donc, bref, toujours est-il, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Comme d'hab, tu as mes réseaux sociaux, mon compte Vinted, enfin ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, mon compte Vinted et la chaîne Twitch. Mes deux précédentes vidéos que je te mets en recommandation, et n'hésite pas à les voir dans la barre d'infos du coup pour avoir les adresses par exemple là de la librairie, mais aussi des boutiques que tu auras eues du coup cette semaine, etc. Sur ce, à bientôt.